Totalement collé, totalement soudé, il est pour toi impossible de les décoller. Ok. Et plus tu forces, et plus il est pour toi impossible de les décoller. T'as dit quoi? Et plus tu essayes, et plus il est impossible pour toi de les décoller. Totalement bloqué, totalement collé, totalement soudé. Ok. Ça marche? Ouais. Ok. 1, 2, 3, décolle. Ça le fait? Ok. Je vais prendre le point en avant. Ce que tu vas faire, c'est que maintenant, tu vas imaginer, tu vas fixer entre tes deux phalanges ce point-là, exactement ce point-là. Reste fixé dessus, concentre-toi sur ma voix. Et plus tu fixes ce point-là, et plus tu sens ton point qui se serre de plus en plus et de mieux en mieux. Comme si tout ton stress, tous les aléas de la vie, tous les coups durs venaient comme si c'était un point névralgique de tes problèmes. Et plus tu te concentres sur ce point, et plus ton point se serre de plus en plus et de mieux en mieux. Et plus ton point se serre, tu sais, ça va faire comme une tache d'encre maintenant quand tu jettes une tache d'encre dans un verre d'eau. Ça va se diffuser. Et là, ça se diffuse dans tout ton bras. Maintenant, pour venir, comme si ton bras allait devenir une barre de fer, qui sera pour toi impossible de plier ce bras. Et plus tu forceras sur ce bras, et plus il sera pour toi impossible de le plier. Comme si pour toi, ton bras était une barre de fer. Je vais compter jusqu'à 3. Et plus tu forceras sur ton bras, et plus pour toi, il sera impossible de le plier. Avec le 1. Ton bras devient une barre de fer, de plus en plus dur, de plus en plus, impossible de le plier. Avec le 2 maintenant, plus tu forces et plus il est pour toi impossible de plier ton bras. Avec le 3 maintenant, ton bras est devenu comme une barre de fer, il est pour toi impossible de le bouger. Ok. Et plus tu forces et plus pour toi ton bras est impossible de plier. Tu forces? Ouais. Ok. Et plus tu forces et plus ton bras c'est comme une barre de fer. Ok. Ça marche toujours? Ok. Ouais, ça, ouais. Continue à te concentrer sur ce point là. Et maintenant, je vais juste poser ma main ici et là. Et tu continues, ton bras il est impliable, toujours une barre de fer. Et ton bras, à un moment, va venir se détendre, mais je vais forcer. Tu vas pouvoir sentir peut-être, plus je me concentre sur toi, plus tu te concentres sur ma voix, ton bras sera impossible à plier. Le moment où ton bras va se détendre, tu plongeras instantanément à l'intérieur de toi-même. Je dirais le mot d'or, ce ne sera pas du sommeil, ce sera simplement plonger à l'intérieur de toi-même, sentir totalement détendu et relâché. Totalement détendu et relâché. Et plus tu avances et plus tu te concentres et plus tu te sens fatigué peut-être. Plus la fatigue arrive de plus en plus. Et là maintenant ça s'amplifie deux fois plus. Maintenant. Et là tu te sens fatigué, totalement détendu. Et ce bras se détend. En fait tu m'as pas dit ton prénom, c'est quoi? C'est Zelda, ça dit totalement détendu et relâché. Maintenant. Ok. Et là maintenant tu descends un escalier. Et tu vas descendre 10 marches. Je vais décompter de 10. Ça représente ton bien-être. Et plus tu sens ce bras monter, peut-être que ça peut te faire sourire un petit peu. Tu continues à dormir tranquillement, mais ce bras monte de plus en plus et de mieux en mieux. Et ce bras monte pour venir se diriger vers le ciel. Tu te sens totalement détendu et relâché de plus en plus. Et maintenant, encore un peu plus vite. Et là, je rajoute encore 100 ballons qui s'attirent deux fois plus maintenant. Et ce bras monte toujours un peu plus, de plus en plus et de mieux en mieux. Pour venir jusqu'en haut, encore plus haut, très très haut, très 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 haut. Et maintenant ce qui va se passer, c'est que dans cette main, je vais couper les ballons et je vais mettre un aimant ici et un aimant sur ton front. Et ces aimants vont venir rentrer en action maintenant. Et ce bras se rapproche de ta tête, de plus en plus et de mieux en mieux. Et ce bras se rapproche toujours un peu plus. Ce bras se rapproche de ce front. Les aimants maintenant sont 10 fois plus puissants et s'attirent très très vite maintenant. Et quand cette main touchera ton front, il sera pour toi impossible de la décoller. Elle va venir se coller, totalement soudée. Et maintenant, c'est sur ta paume. L'aimant est sur ta paume. Et c'est la paume, sur ton front. Et cette main colle de plus en plus et de mieux en mieux. Et je vais compter jusqu'à 3. Cette main va totalement se coller à ta peau. 1, 2, 3. Cette main est totalement collée, totalement soudée. Il est pour toi impossible de la décoller. Je vais compter jusqu'à 3, tu vas te réveiller. 1, 2, 3, réveille. Ok, comment tu te sens? Bien. Tu me serres la main? Je peux pas. Tu dis bonjour? Serre-moi la main. Je peux pas. Pourquoi? Avec ça, s'il vous plaît. Pourquoi? Bah, normalement, on serre la main droite. Pourquoi? Je sais rien. Elle est bloquée? Elle est bloquée, elle est collée. Ok, tu sais ce qui va se passer maintenant? C'est que je vais te décoller ta main, mais au moment où je la décolle, c'est tes pieds qui vont se coller au sol. Tu pourras plus marcher. 1, 2, 3, schlac. Et maintenant, c'est tes pieds. Totalement collé, totalement soudé. Essaie de faire un pas vers moi. Il est pour toi impossible. Plus t'essayes, plus il est impossible de marcher. Je suis là, je suis juste là. Fais deux pas vers moi.
Et plus t'essayes de marcher, plus pour toi tes pieds sont collés au sol. C'est comme si le béton avait collé tes chaussures au sol. Impossible de les décoller. Bah alors ? C'est pas très sympa, hein. Tu pourrais venir quand même. Hein. Et plus t'essayes, plus c'est dur. Très lourd, hein. Ils sont très lourds. C'est lourd. Ils sont très lourds. Tu sais quoi? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand je te donne le signal, tu vas pouvoir te détendre d'un coup, totalement détendu, et tu vas replonger en cet état de bien-être. Dès que je dirai le mot d'ordre, totalement détendu et relâché. Dormir, c'est le trop, totalement détendu et relâché. Et tu plonges encore 10 fois plus dans cet état. Maintenant, totalement détendu et relâché. Tes bras sont nus, tous tes muscles sont nus, totalement détendu et relâché. 10 fois plus. Ok. La forme, pas de soucis. Et quand je me dors, tu replonges dans cet état d'esprit de dormir. Tu entends ma voix et puis tu dors, totalement détendu et relâché. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas plonger 10 fois plus maintenant dans cet état. Tu vas simplement écouter ma voix. Tu n'entends plus ton environnement. Tu écoutes simplement ma voix. Maintenant. Concentre-toi sur ma voix maintenant. Tu n'entends plus que moi. Il n'y a plus de bus, plus de gens que tu connais autour. C'est que moi. Et maintenant, c'est comme si tu te rappelles quand tu étais à l'école depuis que tu es petit, on t'a toujours appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pour toi, le chiffre 7 a disparu. Je te l'enlève de ton esprit maintenant. Il a totalement disparu. Pour toi, le chiffre 7 n'a jamais existé. C'est comme si tu avais toujours appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pour toi, c'est tout à fait normal. Le chiffre 7 n'a jamais existé. Tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pour toi, il n'y a aucun chiffre entre le 6 et le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Est-ce que tu as compris? Fais-moi un signe de la tête. Ok. 1, 2, 3, un béton. Ok. Comment tu te sens? Ça va toujours? Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tendre mes mains. Tu vas pointer mes doigts et tu vas compter. Combien j'ai de doigts? Vas-y, compte-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. On a combien de doigts? 11. Non, on n'a pas 11 doigts. On n'est pas extraterrestre encore. Il y a combien de doigts? Tu veux recommencer? Vas-y, recommence. Passe par là. Commence par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que tu veux décompter en commençant par 10? Vas-y. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y'a pas quelque chose qui va pas là? J'ai un doigt 0, un doigt 11, y'a pas un problème? Bon, combien y a de jours dans la semaine? C'est encore plus simple que de compter. 8. 8? Y'a 8 jours dans la semaine? Compte-les. Lundi, vas-y, compte-les. Lundi. Et donc ça fait 8. Ok, tu connais Blanche-Neige le dessin animé? Ouais. C'est quoi le titre? Blanche-Neige et les vilains. Ok, Blanche-Neige et les vilains. Et comment t'as appris à compter à l'école? T'as toujours appris à compter comme ça? Ouais. Toujours? Toujours. Ok, juste tu vas te concentrer, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas pouvoir te rappeler du chiffre entre 6 et 8. Maintenant. Ok, tu veux compter? Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est déjà mieux, non? Et c'est quoi? C'est déjà mieux, non? On fait un dernier petit truc? Ouais. Sauf si tu veux arrêter. Non, non, continue. Ok, ça marche. Je crois que je suis dedans maintenant. C'est sans force à y aller. Ok, ça marche. Détends-toi tranquillement, regarde mes yeux, concentre-toi sur ma voix. Concentre-toi sur ma voix, aucun souci. Tu vas te détendre 2 fois plus. Dans un instant, je vais tirer sur ton bras, un des deux, tu sais pas lequel. Et je vais prononcer le mot d'or, ce ne sera pas du sommeil. Tu plongeras comme tout à l'heure dans cet état de bien-être et d'esprit. Tu vas sentir ton corps se relâcher d'un coup, il n'y aura pas de souci. A ton avis, vers quel bras je vais tirer? Ok. Et quand ce bras se retombe, ce sera plongé 10 fois plus dans cet état. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que je vais poser ma main sur ton front et je vais compter jusqu'à 3
et je vais aspirer ton prénom. Je vais aspirer ton prénom pour toi. Tu ne te rappelleras plus de ton prénom. Ce sera impossible pour toi de te rappeler de ton prénom. Pour toi, depuis ta naissance, tu auras beau chercher, plus tu chercheras et plus tu oublieras ton prénom. J'ai aspiré ton prénom dans ma main. Pour toi, tu n'as plus de prénom. 1, 2, 3, répétez. Ok. Ok. Bon bah écoute, enchanté, moi c'est Adrien. Et toi? T'as un prénom? Ouais, normalement. Et c'est quoi? Moi c'est Adrien, toi c'est quoi? Je sais pas. La merde. Tu te rappelles plus ton prénom? Plus tu cherches, plus il est impossible de t'en rappeler. Tout le monde le connaît là. Oui. C'est quoi? Ça peut m'aider, hein. Ok, tu sais quoi? J'ai un prénom dans ma main. J'ai un prénom. Maman, tu t'appelles Carotte. Ok, Adrien? Carotte. Voilà. Pour toi, ton prénom c'est? Carotte. Tu t'es toujours appelé comme ça? Ouais. Et les gens, ils rigolent un petit peu? Non, normalement. Oui. Vous l'appelez comme ça? Ouais, Carotte. Et les gens rigolent pas quand tu te présentes? Non. Je sais pas, hein. T'imagines, tu m'as parlé que t'avais pas de travail, si tu cherches un boulot et que tu te présentes comme Carotte, ça, c'est pas sérieux. Ouais. Mais ton prénom c'est? Carotte. Ok, maintenant je te retire Carotte. Ok, ton prénom c'est quoi? Non? C'est pas? Maintenant c'est Canard. Ton prénom c'est quoi? Canard. Vous avez un prénom? Moi c'est un prénom, je vais. Ton prénom c'est? Canard. Ok, je te le retiens. C'est quoi ton prénom? Ok, Pikachu. Ton prénom c'est? Pikachu. Comme le. Ton prénom c'est comme le dessin animé? Ouais, Pikachu. C'est énorme. Ouais. Tu fais l'électricité ou? Non. Bah pourquoi on t'a appelé Pikachu? Je sais pas. Mais... Y'a tes parents là ou y'a quelqu'un? Non? Bah mince alors. C'est dommage ça. Ok, je te retiens. Ton prénom c'est quoi? C'est pas. Ok, ton prénom il est dans ma main. Quand je te colle ma main sur ton front, ton prénom tu t'en rappelles. Maintenant. Adrien. Voilà. Ça le fait? Ça le fait? Ça te fait toi ton théâtre, on fait tout ça. Non, si, non dis-moi, tu préfères quoi? Tu veux essayer quelque chose? Ouais mais je sais pas, parce que vous faites d'habitude. Ça marche. Ouais, bah, écoute. Ouais, t'as de rire au pire. Bon, ça marche. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vois, tu vas tendre ce bras. Tu vas pas forcer. Tu vas pas forcer, tu vas pouvoir le bouger normalement. Mais tu vas te concentrer sur cette phalange-là. Tu vas te concentrer sur cette phalange-là. Concentre-toi. Regarde que cette phalange-là. Concentre-toi sur ma voix. Et ce qui est marrant, c'est que cette phalange, c'est devenu une phalange rigolote. Il y a un espèce de bouton ici qui fait que dès qu'on appuie sur ce bouton, tu peux pas t'empêcher de sourire. Et des fois, il y a des salauds, ils font ça. Et plus ils appuient, et plus tu rigoles. Et ce qui est marrant, c'est que ce bouton, je vais plus le mettre ici, je vais le déplacer là. Et dès qu'on va t'appuyer là, tu vas rigoler. Tu peux baisser ta main, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est marrant, c'est que des fois, il y a des salauds, ils gardent la main sur le bouton. Ils sont vraiment salauds, les gens. Et par contre, tu sais quoi, il y a un deuxième bouton sur ton épaule. Et là, c'est le bouton de la tristesse, là. Et plus j'appuie et plus t'es triste. Peut-être que il y a les larmes qui montent un petit peu. Toute ta tristesse. Mais c'est quand même plus marrant de rigoler. Mais des fois, la vie, c'est triste. C'est pas marrant. Hein. Ça va? T'es triste? C'est vrai, hein. Et là, c'est quand même vachement plus marrant. Et des fois, le bouton se bloque. Et tu peux plus t'empêcher. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, le bouton est tellement bloqué, ça te fait rire deux fois plus. Et t'es mort de rire, tu sais pas pourquoi. C'est marrant. Et tu peux plus t'arrêter. Et là, je rappuie encore très très fort. J'ai mis le bouton à fond. Hop, 10 fois plus maintenant. T'es mort de rire. Ça va? T'es bien là? Tu penses à quoi là? On t'a raconté une blague? Je suis salaud, je garde la main sur le bouton en plus. Il est mort de rire. Bah là? Bah attends. Ah oui, là c'est moins drôle. Hein. Oula! Oula, c'est moins drôle là.
Que tu sais quoi? Je comptais jusqu'à 3.